Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sokulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Rift Tour de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander d'interagir avec des posters du Rift Tour. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs possibilités d'emplacement. Alors je vais vous montrer tous les emplacements que je connais. Alors déjà à Holly Hatchery, comme je vous le montre sur le gameplay, hop, juste ici, sur le bâtiment principal, il y a des posters de Rift Tour. Donc vous avez juste à interagir avec l'un de ces posters pour terminer le défi et débloquer un aérosol, le file du maître, voilà. Et terminer le défi, bien entendu. Vous avez juste à interagir avec un seul poster. Donc maintenant, je vais vous montrer les autres emplacements. Alors, le deuxième emplacement, c'est à Bellevue Beach. Donc juste ici, regardez, je vous le montre sur la map. Hop, juste ici, il y a trois posters que vous allez pouvoir interagir avec. Des posters, des affiches, vous les appelez comme vous voulez. Donc voilà, vous interagissez juste avec un ou avec les trois. Comme ça, ben, vous terminez le défi. Donc je vais vous montrer un autre emplacement encore qui se trouve à Retiro, comme je vous le montre sur le gameplay. Donc voilà, juste ici. Et il y en a un autre juste là. Sûrement le troisième qui doit se planquer quelque part. Il ne doit pas être très loin. Peut-être sur le côté là à gauche. Je ne sais pas. Non. En tous les cas, je vous en ai déjà montré deux ici. Hop. Donc je vous montre. C'est à Retiro. Juste là. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer. Je pense qu'il reste encore deux emplacements que je ne vous ai pas montré. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc il y en a un Misty Meadown. Juste ici. Hop. Et il y en a un autre qui se trouve un tout petit peu plus bas, désolé pour la notification de mon téléphone, voilà. Et je pense qu'il y en a encore deux autres, ah, il y en a un là. Et je pense qu'il y en a encore deux autres un peu plus haut, donc Misty Meadown qui se trouve juste ici. Et maintenant, je vais vous montrer le dernier emplacement que je connais, qui se trouve à Weeping Woods. Donc juste ici, regardez, il y en a un. Alors il y en a d'autres aussi un peu autour de la maison, je crois. Je ne sais plus trop où exactement. Ah donc voilà, juste ici, regardez, il y en a trois. Un ici, un là-bas, et il y en a un juste ici. Donc voilà, à Weeping Woods, exactement ici sur la petite map, sur cette maison. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'utiliser une dalle holographique extraterrestre au sommet de l'OVNI festif. Alors l'OVNI festif, c'est l'OVNI que vous voyez juste devant moi. Donc c'est l'OVNI qui se trouve en plein milieu de la map. Hop, comme je vous le montre sur la petite map. Donc voilà, donc vous allez devoir vous rendre sur cet OVNI. Et là, vous allez apercevoir qu'il y a des nouvelles dalles comme ceci. Bon, là, elle n'est pas activée, mais il y en a qui sont activées. Donc, c'est des dalles comme ça. Peut-être que quand le défi sera disponible, parce que je tourne la vidéo en avant, celle-ci sera disponible. Mais de toute façon, normalement, il y en a une. Voilà, il y en a une qui est disponible déjà là. Et il y en a une autre qui est disponible un peu plus loin, par là. Donc, de toute façon, je vais vous la montrer. Donc, ça, c'est les nouvelles dalles holographiques extraterrestres. Donc, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement passer dedans. Comme ceci, et là vous allez voir que vous avez l'apesanteur réduite. Donc pendant 30 secondes, vous avez l'apesanteur réduite avec votre personnage. Donc vous pouvez sauter comme je suis en train de le faire. Et regardez la deuxième rune. Donc là, la première rune, elle était là. Là, il y a une deuxième rune qui est là, qui est déjà activée aussi. Normalement, il y en a une troisième, voilà, juste ici. Et il y en a une quatrième juste là-bas. Mais la troisième et la quatrième ne sont pas encore activées. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce sera d'autres runes qui feront d'autres choses. Ou peut-être ce sera des téléporteurs pour se rendre dans le vaisseau mère. Je ne sais pas. Enfin bref, pour réaliser ce défi, ben, je vous ai expliqué comment faire. Vous avez juste à emprunter la dalle holographique extraterrestre. Et quand vous l'aurez utilisé, vous débloquerez le défi et vous débloquerez aussi un logo ou une petite émote qui s'appelle Minou Nuage. Et le troisième et dernier défi va vous demander de réserver la date dans l'onglet Rift Tour et faire une partie. Alors pour réaliser ce défi, vous avez juste à aller dans l'onglet Rift Party, ensuite sélectionner Europe Moyen-Orient, donc le 8 août à 16h. Donc vous sélectionnez ça, vous dites que vous y seriez, donc vous cochez. Ensuite vous aurez la case J'y serai. Et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer une partie. Quand vous êtes dans la map de Fortnite, vous pouvez soit mourir ou soit quitter la partie et ça validera votre défi. Alors après le troisième défi, il restera un défi qui est d'assister au Rift Tour, mais qui ne sera disponible qu'à partir du 8 août à 16h.
Donc bien évidemment, je ferai une petite vidéo à propos de ce défi dès que le défi sera disponible. Donc je le mettrai en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir. Enfin bref, voilà qui termine le guide complet des défis Rift Tour de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.